Une chance sur 256, sachant qu'on est deux, donc on devrait trouver pas mal de shiny. Ça devrait pas mal. Bah moi je suis chaud qu'on... Mais j'ai envie de jouer. Je suis chaud de bah lancer le truc, genre là on fait un 3-2-1 et on y va là. Quoi. Ok. Allez, 3. Moi, je vous demande plus une seconde. Attends, mais non, tu nous mouffes dans notre salon. Mec, ouais, je vais non mais frère, tu sais que j'ai vraiment... Ok, c'est bon. Stade. Mec, tu sais que j'ai dû installer genre l'émulateur il y a 5 minutes. J'ai même pas de... Merci, Pasta. C'est ça, décide de spirer une TOTK. 2. Allez, 1, go. C'est parti. C'est parti. C'est bon, avec Chini. Chini, ça va? Je... Ah bah non. Allô. Ah non, mais c'est terrifiant, gros. Incroyable, bon, vas-y, on lance. T'as quoi? Bon, gros, sache que j'ai Jirachi. Ok, moi j'ai Fukano, Dracaufeu et Blizzy. Non, mais dis-toi que j'ai Jirachi et en plus c'est le premier poké, j'ai juste à faire. Non, tu les prends tous, mec, tu les prends tous. T'as quoi d'autre? Terra, les coquilles perdent, donc non, je m'en bats les couilles, je veux juste que mais Jirachi. Mais tu les prends, c'est un point. Non! Ah oui, mais après on peut reset. Suffit que tu les... En fait, oui, voilà, c'est suffit que tu lisais, c'est bon, tu vois, ça compte. 3 heures, alors je pourrais. Oh, Shiny, Dracaufeu. Oh, oui. Bunger, rush le jeu. Bah non! Mais non, mec, franchement, j'ai Fukano, bah, c'est un autre 3 points. Ouais, mais Dracaufeu, c'est vraiment fort et du coup, ça permet de rush le jeu vachement facilement, je crois. Bon, d'accord, alors. Parce qu'en fait, c'est que des 1 point les autres, en fait. C'est pas rentable. On a 3 points. Peu, mec. T'es vraiment attends, le. Attends, par contre, il faut que je fasse un truc. Hot qui est config. T'es vraiment trop fort, mec. Je disable le reset. En fait, je perdais des runs pour rien, en fait. Oh! Y'a pas un level qui perd Shiny. Qui perd Shiny. GG, mec, t'es trop fort, on a 4 points. Ouais. Oh, j'avais Terral. Y'avait Terral. Bah c'est un point. Ouais, il y avait Terral. Je l'ai reset en plus, genre vraiment je l'ai vu trop tard, mais il y avait Terral. Je pense que mon cerveau fond si je passe 3 heures sur Jirachi. Moi je lis pas One Piece hein. Je regarde même plus One Piece. Ouais. Hein. Ah bon? Ah non, franchement. T'es qui? Jirachi? Allô? Allô? Non, on m'a dit pas que t'as reset. T'es reset? Dis-le moi franchement, est-ce que t'as reset? Ouais, je fais comment? Ah bah tu l'as dans le film. Et je l'ai. Non mais techniquement tu l'as pas eu. Non mais parce que si c'est Jirachi que t'as reset, on va pas le compter maintenant. Parce que dans tous les cas t'en prendras aucun autre. Oh, c'est sûr et certain tu prendras ni Terral ni Coquille Perle. Ça je te laisserai pas le faire. Pyrex et Galius. Mais pourquoi vous balancez des blasts de mecs qui font plus de contenu depuis 2008? Bah franchement GG hein, parce que Renegade Platinum pas facile l'histoire. Mais Run and Bun. Jure New Prince. Non mais faut arrêter. Faut arrêter avec ce gag. Faut arrêter avec le gag de New Prince. Laissez-le où il est. On sait pas où il est mais bon. Mais laissez-le. Diablo X9. Et non, c'est Wartek et Boudouche. Allez. Y'a trop de blast comme ça en vrai. En vrai, vas-y. Balancez-moi un blast, les gars, dans le chat. De le youtubeur ou créateur de contenu, streamer, tout ce que vous voulez, qui pour vous, genre, c'est le plus vieux possible que vous connaissiez là. Diggy Dix. Ouais, c'est un pour classique. Moi, pour moi, c'est lui. Un classique, pour c'est moi, un classique. C'est lui. Mais pas. Ah merde. Moi, je pensais que c'était le batteur. Tu sais, moi, je prends un peu à contre-pied le concept, tu vois. Hey, je suis là, ouais, du shiny, shiny. Moi, je suis là en mode pas de shiny. Archi lourd le concept, non? Moi, je prends à contre-pied. Moi, je suis un peu un mec underground, you know. T'as déjà chier? Jure? C'est vrai? Parle-moi avec des mots, rush! Merci. Allô? Oh merci. Merci. Oh. Je... Oh. Allô? Oh. Ouais. Ouais. Allô? Triste tout le temps, genre il pleut et tout. Non, c'est un cliché ou je sais pas. Je sais pas, t'as regardé, t'as écouté la musique de Orelsan avec Stromae? Oui, je trouve que tu parles. Voilà. C'est quand j'ai dit, tu trouves pas des. Dis-moi, Ray Shiny! T'as dit mon Shiny? Oui. Ah, GG, 3 points! Incroyable! Attends, parce qu'il faut le capturer. Est-ce que Dimoré niveau 15 a plus de 40 HP? Dimoré niveau. Mais bien sûr, frère! La dernière fois que t'as dit oui, bien sûr, t'avais. C'est un Dimoré! Oh, mais j'en compte que de la pièce! J'en ai marre! 13 points! 13 points? 13 points! Oh là là là, 13 points! Attends, mais on est devant là! Non, 100% on gagne là! Hein. Je pense qu'on gagne! 100% on est en train de gagner, hein, je vous le dis! Hein. 100% on est en train de les fumado! Hein.
Est-ce que je reste dans la zone ou pas? Parce qu'il était pas commun, hein, Dimoré. Hein. J'ai quitté l'école! J'ai quitté l'école! En vrai, j'ai quand même deux bacs pro et RBTS. T'es un BTS, bon, vrai, toi? Ça va, oui. Ouais? RBTS One Piece. Je vais l'insulter. Non, mais c'est vrai! En fait, les deux années de BTS, j'ai juste regardé One Piece. Mm-hmm. Du coup. T'es fier de ça? Bah, franchement, ouais. Hein. Oh, Dratak Shiny! Non, ça Let's go! Dratak Shiny! Oh, Daimon Sikari! C'est pas sûr que je le capture. Oh! Aïe 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 aïe. En vrai, j'ai la dalle! Oh, capturé! Let's go! Quoi? Vraiment? 16. Ouais, à la Let's go! Shiny! 16! Et Daimon, tu es trop fort en fait. Comment fais-tu pour être aussi talentueux, fort et vaillant? C'est simple, c'est moi qui fais. Back to Maxi Zayox! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, c'est incroyable! Ah, oh, c'est génial! Ouah, c'était trop fort! Vraiment, il est capturé! Ça va, ouais, let's go! 19 points! Let's go! 19 points! C'est la déculotada! C'est la déculotada! Je suis en train de transpirer sur ma manette alors qu'on est seulement à une heure de. Wow. Quoi? Comment tu te rends? Oh, wow. Mon coco shiny! Qui? Notre coco? Ah, parce que moi j'ai compris quoi couper shiny, tu vois, j'étais en mode. Alors. Oh merde, je l'ai empoisonné! Ah, bon. Dommage, c'est 3 points si tu le captures. C'est bon, je l'ai vu! T'as dit. Oh, GG! Tu veux qu'on a 22 là? Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'on galère moins que l'autre. Easy. Peut-être en facteur avec Skitty, j'imagine. Bizarre. Pas croisé un seul d'ailleurs depuis le début. Bah, normal, c'est le meilleur Pokémon. Genre, eux, ah, ils terminent avec 20 points, nous, on termine avec 70 points, mec. En vrai, on a moyen de taper les 60, je pense. Mais tu rigoles, mais no fake. Regarde, on est à 22 et on y est 16. Ouais, ok, tu m'as chauffé. Et sachant que pendant 45 minutes, t'as pas rapporté de points à part 2, quoi, tu vois. Donc en vrai de vrai. Ouais, je te trust. Ah, si je retourne notre coco, par contre, ouais, j'ai pris un coup de vieux, ça fait depuis mes 14-15 ans que je te suis. Et t'as quel âge? Aïe. Oh, Lunatone Sami. Ah, oh, il va faire explosion. Quoi? Pas du tout. Lunatone, c'est rock. Ça a pas explosion, Lunatone. Enfin, ça c'est peut l'avoir, mais ça l'a pas c'est en sauvage, hein. Ah, surtout pas au niveau aussi bas, à mon avis. Il fait hypnose. Oh, s'il fait. Oh, si je le capture, il a hypnose. Ah, c'est pas mal. 19. Ah, hypnose, ça fait bien, 4-5 hein. Ans que tu me suis? Frère, y'a des gens, ça fait 10 ans ils me suivent, t'imagines un peu? Là, ça fait long. 4-5 ans, ça va! 4-5 ans, ça va! Moi, je te oh, pourquoi je suis fouté là? Oh, ta mère, le foutage! C'est bon, 23 bon points. Combien? Un point? 23, ouais. Ouais, bon, c'est toujours ça, un petit ça point. Non, franchement, ça se take. Mais dis-toi, c'est sur le long terme parce qu'il a hypnose. Ah oui, bon, bah, ça va. Alors. Si c'est sur le long terme. C'est une relation qui dure, quoi. J'ai jamais fait ça. je connais pas. Trop personnel, là. Je connais pas. Ouais, franchement. Ouais, le poulet mariné de Lidl. Oh là là. Le poulet, là. Ouais. Possible. Ouais, une chance sur le 156 auto d'apparition. Perso, je traîne avec les gens que j'aime bien et avec qui je passe un bon moment, je cherche pas plus. Ah oui, non merde. Tout à fait. Oh, Cockno Shiny. Tout à fait, je suis d'accord. Et vous avez raison, c'est le principal critère qu'il faudrait pour traîner avec quelqu'un. Ça, on est d'accord. Mais je parlais juste de fréquentation, de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... C'est bien aussi d'être avec des personnes, enfin de s'intéresser à des personnes qui sont intéressantes et qui ont peut-être plus de talent que toi sur plein de sujets, qui sont, enfin qui connaissent des trucs, qui, je sais pas, tu vois, genre ça permet d'apprendre, tu vois. Je disais ça en lien avec le fait que il y a des gens qui aiment bien traîner avec des personnes qui dénigrent exprès pour se sentir valorisé. Après ça c'est souvent un comportement au collège, dans les en école, tu vois tout ça, il y a. Parce que bon, voilà, t'as toujours ce... À mon boulot. Ah ouais? Ah ouais.
Y'a un énorme connard, c'est grave. Après le travail, moi j'ai pas travaillé longtemps non plus dans une boîte, mais j'ai travaillé pendant au moins 2 ans. Et c'est vrai que des fois, y a des entreprises. Des gens, frère. C'est l'école, frère. Y'a des entreprises, vraiment, les relations humaines, t'as pas quitté le lycée. Vraiment, ouais, t'as pas quitté le lycée, vraiment, c'est n'importe quoi. Même moi qui est un introverti, je vois certaines réactions de bah, y a qu'un seul type qui est vraiment un connard dans mon taf. Mais même moi qui est introverti et tout ça, qui connaît pas trop les relations sociales, je suis en mode, mais toi t'es une merde. je le regarde, puis je sais pas, j'ai du dégoût. T'as travaillé au Crédit Agricole, t'as dit? Ah non, pas du tout. Ah non. J'ai travaillé dans une société de métal. Oh, What Shiny. Oh, un point. Oh, encore. Attends, mais t'as capturé le crack, toi? Oui, bien sûr. Tiens, encore un 25. Voilà. C'est bon, c'est bon? Oui, j'ai capturé Diamond, ça va. On peut passer au sujet suivant, c'est bon, pardon, désolé. Ok, voilà, désolé. Je pensais pas qu'on chassait des chaînes, je serais dans une société de métallurgie et en fait, j'étais développeur. Voilà, c'est tout. J'avais un crayon dans mes poches. Eh ben. Et en BTS, je venais juste avec mon PC pour jouer à des Tower Defense. Ah là là, la scolarité de Diamond, Pete. Je te jure, ça explique un tas de choses. Nos streamers ont du talent. Non, moi ça va, l'école, j'étais... En fait, j'aimais pas trop étudier. Pas trop honnête, hein. Étudier, j'aimais pas... Ah, j'aimais pas étudier. Je préférais jouer à Pokémon. Du coup, bah maintenant, je joue à Pokémon et c'est mon métier. Ma matière préférée. Ça m'a saoulé. Moi, oh, c'est les maths. Qu'est-ce que j'adore les maths. Ah, franchement, oh, j'adorais les maths. Parce que vraiment. J'aimais trop, en fait, résoudre des problèmes. En fait, des fois, j'étais en cours de maths, je n'écoutais pas le prof et juste je faisais tous les exos qu'il y avait sur la page. Là, j'adore les maths. Vraiment, c'est trop kiffant, je trouve. J'ose plus égalité avec vous. Quoi? Mais non. J'ose plus 25. What the fuck? Oh, allez. Sérieux? Bon, comme ils ont remonté, c'est un délire. C'est perdu. Mais gros, là, c'est que là, ça fait une demi-heure qu'on trouve pas le shiny. Hein. Ah non, moi ça fait 45 minutes là. Oh, oh, c'est cringe de ouf. Moi je dirais que c'est les maths, ouais. Tu sais que je me faisais engueuler parce que je faisais les exercices. Bah ouais, si t'écoutais pas en cours aussi. Ouais, mais j'avais pas besoin d'écouter, je savais. Comment ça des gens aiment les maths? Mais c'est trop bien, c'est la meilleure matière. C'est la seule matière où vraiment tu peux... Enfin, c'est pas aléatoire, c'est genre c'est soit ça, c'est genre la ouais, réponse. Ouais, c'est logique quoi. Genre c'est de la logique, c'est pas genre cours de français de... Oh oui, disserter la relation par rapport à la problématique et dites-nous votre point de vue sur le monde social. Eh ça y est frère, laissez-moi vivre là. 1 plus 1 égale 2, fin de l'histoire. C'est trop grave. Ah moi les maths, je kiffais trop. Maths, physique, alors chimie un peu moins. Maths, physique, vraiment, trop ma cam. Hein. C'est vrai que l'histoire, la réponse, c'est pas... Non, l'histoire, c'est sympa. Mais là, mais les maths, je trouve, c'est plus... Non, c'est mieux. Les maths, c'est incroyable. Ah, la philo, frère. La philo, j'ai jamais fait. Il y a un plus random que... La philo, c'est trop RNG. En fait, je pense que la philo, je me serais battu avec le prof. Non, mais la philo, c'est giga RNG, mec. C'est n'importe quoi. Moi, j'en compte full RNG gigas, par contre, c'est pas mal. Je reste dans la forêt. Je reste dans la forêt. Bon prof. J'avais des bons profs. De quoi, en philo? Non, en histoire, j'ai jamais eu philo, moi. Alors, en histoire, moi, vraiment, ça me pétait les couilles, parce que j'ai souvent eu le même prof au cours du collège. Et, bah, vraiment, c'est un enculé, en fait. Genre, le gars, littéralement... Attends, mais je suis en train de prendre du recul de fou. Mais là, j'ai des flashbacks, mais en fait, mon prof d'histoire... Il draguait les meufs de la classe. Attends, je viens d'avoir un flashback de zinzin là. A l'époque, je captais pas. Attends, mais c'est un truc de ouf. Mais ouais, mais j'ai un souvenir où il se posait sur la table des meufs, il discutait avec elle en mode. Attends, j'ai un flashback de zinzolin là. Ok, bah écoute. Et il aimait pas. Ah oui, mais c'est vrai. Non, j'ai un giga flashback. Il aimait pas les mecs et il kiffait que les. Il s'entendait bien qu'avec les meufs. Tu sais que j'ai un prof qui a fini en prison. Oh la la la. Ouais, attention, j'ai plus son nom, putain, dommage. Genre, j'ai fait un bac pro en système électronique numérique. En spécialité, alarme sécurité incendie. Du coup,
Je faisais aussi tout ce qui était sécurité intrusion, les caméras et tout ça, t'sais. Et j'ai fait un stage du coup dans une entreprise de ça. Et j'ai été dans un hypermarché, genre un truc comme ça quoi. Mmh. Et là-bas ils m'ont dit ah ouais t'es en stage avec l'équipe de la sécurité. Ils m'ont fait ah ouais t'es en stage dans ce lycée là et tout Ah ouais et t'aurais pas eu ce prof là. Et puis j'ai fait ouais si mais on sait pas pourquoi, on l'a pas revu du jour au lendemain, on a pas eu d'infos et tout. Puis ils ont fait oh bah c'est normal, bah, ils prenaient des photos sous les jupes des filles dans le magasin. Et attends c'est pas tout parce que du coup apparemment ils ont retrouvé sur son disque dur les deux seules meufs de la classe. Donc, à l'époque mon ex et une pote du coup étaient sur son disque dur, genre il y avait des plongées sur le décolleté et tout genre. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Et ben... Eh ouais. C'est dur gros. J'avais une prof de chimie qui s'est fait embarquer par la police. Elle s'était fait virer mais elle voulait pas quitter l'établissement et elle est restée sur place 3 jours. What the fuck? What? Bon ça. Elle s'est nourrie de quoi? Elle s'est nourrie d'hydrogène? Ah frère, j'ai plus de shiny. Pas non plus. Je sais pas ce qui se passe. Non mais là la run elle durait pas 2 heures? 2 heures c'est bien hein. Ah 2 heures c'est bien. On doit jouer encore 1 heure là. Oh là 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 là. C'est long. Ah c'est long. Et carrément je suis en train de m'endormir mec, j'ai mis mon plaid et tout, je me suis bien mis là dans ma chaise. Ah putain. Eh limite je vous stream depuis mon lit hein. Un camion et on va dans les rues à côté des fêtes foraines quoi. Eh bon, vraiment. Des crêpes en ligne. Darkrai. Oui. Sérieux? Ouais, alors attends. Oh, capture le mec, je t'en supplie. Attends. Combien d'HP il a? Oh les gars, juste, j'ai pas de chance. Ça fait 45 minutes, j'ai pas de shiny. Hein. Je vais péter un câble. Quoi? J'ai voulu faire hypnose, j'ai loupé 3 fois hypnose. Merde. Allez. Pas de rappel pour Céleroc, ça va, je suis pas parti si loin. Je pensais pas qu'il allait mourir. Je pensais pas qu'il allait louper autant d'hypnose en fait. Seulement 70% de chance, hein. 75 ou 70, je sais plus. Ah putain, j'avoue, je vais faire ça, faut que je sauvegarde. Il a fait lui. Il est mort? Ouais, j'ai plus de bol. Je pense que je vais reset, hein. Puis tant pis, on verra où j'en suis. Hein. C'est dommage. Tu penses que je reset ou pas? Ah, c'est un plus de bol. Je sais pas quand est-ce en que. En vrai, on s'en fout. Tu sais pas où t'as reset? J'ai plus de bol, j'ai plus de thunes. Ah ouais, bah reset, ouais. Ce sera plus rapide de tout reprendre. Ah, ah ouais. Ah, c'est comme ça, hein. Jospé qui passe à 30 points et nous, ça fait 40 minutes. On a rien. Puis une fusion, on va le faire avec Steph. Bah d'ailleurs, normalement, on commence à tourner demain. Alors, on voulait le faire en live, au final, c'est trop compliqué. Donc, il y a une chance que la nouvelle série du mois de juin. Ce soir, Soul Link Infinite Fusion. J'ai pas tout capté, mais ok, je t'avoue que j'ai quand même balancé des mots assez random. Les gars, dans 10 minutes, ça fera 1 heure qu'on aura pas trouvé Shiny. Et ça, je trouve ça beau quand même. Et moi, je trouve ça magnifique en soi. Perso, je pense que c'est le sujet sur la tabac. Clin d'œil. Ah! Wow! Oh, je suis fatigué. What the fuck? Comment j'ai full bug? Mec, tu me réveilles dans 30 minutes. Normal qu'il y ait des meufs de 14-15 ans qui se... Ton chat, c'est dégénéré. J'ai eu what shit. Tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu. Ah, j'ai envie de sauter d'un pont. Je sais pas, ouais, je pense que je nous ai jinx en disant ça. On aurait pu, hein. Raconte-nous un truc ouais, drôle. Mais t'as cru que j'étais ton troubadour ou comment ça se passe? Ah ouf. Oh, quel jukebox. T'as cru que j'étais là, je faisais des blagues, ça y est, je vous divertis comme ça. Alors, c'est l'histoire d'une pute. Damon, t'as pas rigolé à ça, je suis déçu. Pourquoi tu parles plus?
Ah, d'être aigri comme ça, là, tu m'as saoulé, là. C'est un mec qui arrive hors Grimard. Attends, quoi C'est un mec qui arrive hors Grimard. Il va dans la taverne, il voit un tauren. Et schlack 9-9 shiny. Je pense que c'était pas la chute de ta blague, mais bon, voilà. Et schlack, un 9-9 shiny. C'est parfait. Le timing, il est magnifique. Le timing, il est fou. Ah, je vais péter un plomb. J'ai eu tous les shiny de la zone sauf la tienne, je vais mourir. Je suis abattu. Mec, il y a plus de 30 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que je peux avoir une topo sur sa situation encore une fois? Je vois ce qu'il a fait. Ah merde. C'est pas grave, mec. J'ai envie de mourir. En vrai, on peut les rattraper. Attends, mais c'est dire qu'on a 26 là? Oui. En vrai, tout est faisable. Mais ta gueule, on avait 25 points à 1h20 de la run. Il est 2h30, on a 26. On a gagné un point en 1h10. C'est pas mal, c'est mieux. Oh, énorme. C'est quoi ça? 1h10, un point. Change de zone. Non! Je veux ce putain de Latias! C'est une question d'honneur! Dégo. Bouge-le, tu te fais du mal. Mais non! En plus, il y a Meganium et Colossin! Il y a plein de Pokémon à 3 points! Oh, je pense que les points, c'est plus un problème. Hein. T'es défaitiste, ouais. Diamond! Et tu as raison! Ouais, les points. Tu sais, là, je fais des gauches-droites. Je pense que c'est juste mécanique, quoi. Il n'y a plus rien qui commande. Hein. C'est beau l'abnégation, oui. Je suis quelqu'un de très abnégaté. J'ai inventé un. Oui. Tu comptes encore les points. Ah, y'a des points. Moi, je l'ai enlevé de mon overlay. Hein. T'as bien raison. Moi, j'ai juste marqué on chasse des shiny sur mon titre. Hein. J'ai pas dit que c'était une chaîne directe. Et le Latias shiny dont vous parlez est dans cette pièce avec moi. Et le Hypnose, ça a combien de chances de pouvoir te toucher? Et le Hypnose qui réussit à capturer Darkrai, il est avec nous en ce moment ou... Hypnose, c'est quand même le Pokémon des cauchemars et il veut pas s'endormir, frère. C'est vraiment une merde. Est-ce que Trou Noir, ça l'aurait affecté? Oui. Ah. Bah, dans tous les cas, c'était perdu, alors. Mais le 26, je pensais que c'était tes BPM. Le 26, frère, c'est... Putain, mais j'ai pas de vanne sur ce chiffre, c'est trop chiant. 26, c'est vraiment ça fait pas deux fois BPM, j'essaie de faire une vanne avec ce nombre, j'arrive, je trouve rien. Ça fait une heure, d'ailleurs, qu'on a fait cette vanne. Ouais, bah attends, je vais réfléchir à une blague. 26, qu'est-ce qui peut être drôle avec le nombre 26? C'est le nombre de... C'est attention. Hey, bah je suis allé chez le médecin il y a pas longtemps, elle m'a pris ma tension. Elle m'a dit, oh tiens, pour un homme, vous avez une toute petite tension. J'ai fait, bah écoutez, c'est pas la taille qui compte, mais enfin quand même. Mais du coup, j'ai 9,5. Enfin, j'ai 9,5 de tension. C'est pas ouf, non? C'est bah, bizarre. C'est comme si t'étais mort, quoi. Non, mais ça y est, toi aussi. Je sais pas, en fait, ce que ça veut dire, véritablement. Est-ce que ça veut dire que je suis un mec super calme? Et du coup, je suis pas stressé? Ah, mais ça, mais vraiment, t'avais pas besoin de prendre d'accord, tension. D'accord, tension, c'est un nom de code. Oui. Je parlais de ma bite. Oh, putain, bah après 9,5 de 9,5 c'est pas beaucoup. Comment ça c'est pas beaucoup 9,5? Je comprends pas Diamond. Bon on m'a toujours dit non mais ça va. Du coup ça va non? C'est bizarre hein. Bah pour un homme c'est pas beaucoup. Je suis à 12 espèces d'immenses victimes. Oh l'agression elle est violente. Mais en vrai avoir une petite tension ça fait quoi? Ça veut dire que t'es lent. Ok, les points en shiny c'est bien, mais vous avez combien de tension? Je suis un mec lent, gros. Pourtant, on me dit souvent que je suis assez rapide, c'est bizarre quoi. Franchement, je comprends pas. Là, je suis perdu, les potos, hein, vraiment. 9,5 c'est petit, t'es un mec lent. Hein. Tout le
contraire de ce que je pensais, hein. T'as autant de tension qu'un dépressif. Intéressant. Ma foi, atypique. T'es un joueur qui slow play. Ma foi. Joueur de tu vois, il t'a dit victime, t'avais plus de tension, il te serait... Là, tu serais bouillant sur... Là, oh là, j'arrive pas à lire. Pas à moi, t'es vraiment pas speed. Arrête 2 minutes, on va se mettre sur la gueule, toi et moi. Wow, c'est... Pourquoi le chat, ils veulent me taper maintenant, là? On est où, là? Eh, vous êtes censé vous abonner, me donner de l'argent et faire l'OP Call of Dragon, là! Pas vouloir me fracasser la gueule! C'est terrifiant, ça! Putain, c'est terrible. T'as beaucoup de ping. Merci, Xtram Twitch, pour ton 3e mois. Merci beaucoup pour ton sub. N'hésite pas à lâcher des dons de 500 euros maintenant. Je suis en roue libre, vraiment, j'en veux plus, ça fait... Il reste 25 minutes. Je veux manger des crêpes et avoir la tiasse shiny. Allez, non, dis ça. Ok, les gars, ouais, nouvelle règle. Nouvelle règle, si je trouve la tiasse shiny, on gagne la race. Ouais, c'est Greg. on fait ça, Diamond? C'est une race. Non, mais si je trouve la tiasse... Et toi, si tu trouves genre... Dans qui tu chasses qui, là? Ok, super. Bon bah si je trouve la tiasse... si je trouve la tiasse... C'est terrifiant, mon mate est mort. Si je trouve la tiasse shiny, on a gagné. Vraiment, du que ça vient. Dans le chat... Est-ce que dans le chat, on est bon ou pas? J'ai fait l'OP, j'ai pas reçu mes crêpes. Bah, parce qu'il faut que je les envoie, gros. La poste, elle était fermée aujourd'hui. Réfléchissez un peu, le chat. Wow. Ça va pas, là, bande de zinz? Vous êtes complètement crazy. She's so crazy, I love her. C'est que ça me... C'est... Alors, ça, j'ai un vrai débat. J'aime pas la langue anglaise. J'aime trop la langue anglaise. Genre, j'aime pas parler anglais. J'aime pas parler français. Je te jure, l'anglais, j'aime pas cette langue. Je te jure, le français, j'aime pas cette langue. Ta gueule. Non, le français, c'est trop... Non, le français, c'est trop stylé. Je déteste ça. Quoi? C'est trop riche comme langue, le français. C'est incroyablement naze. Ok. Hyper incisif comme avis. T'aimes pas l'anglais? Incisif. Non, incisif, j'aime pas. Pourtant, en fait, je sais pas. Je sais pas si c'est l'accent anglais que j'aime pas. Parce que, en vrai, les Américains, il y a des moments où ça me dérange pas. Et je crois que c'est vraiment quand c'est un accent un peu anglais que ça m'énerve. J'ai mal au pouce. J'ai mal au pouce, gros. Moi, je joue plus avec le pouce, là. Ouais, l'anglais, genre shiny ou tous les noms de cartes anglais. Non, mais en fait, non, mais on s'est mal compris. Non, j'aime pas, genre, par exemple, regarder un film en anglais, tu vois, par exemple. J'aime trop ça. Ah ouais? Les séries en anglais, là. Ah, j'aime pas, tu vois. Je préfère vraiment quand c'est doublé en français. Bon, quand c'est bien doublé, en général, mais... Genre, typiquement, je sais pas, y a quoi en série actuellement, il fait... Bon, Game of Thrones, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé la première saison, par exemple, tu vois. Mais bah, je préfère regarder en français qu'à regarder en anglais. Shiny Lanturne, Shiny Lanturne, Shiny fucking Lanturne. Shiny Lanturne, mec. C'est bien, capture-le. Attends, il y a combien d'HP? Mais pourquoi tu veux être des Shiny, je comprends? Ah, mais ah, mais on est encore en race! On joue? Ah, mais on joue! Ok, mec, je fais de raccourage. Au pire, mange-moi le poireau. Waouh. C'est deb de manger le poireau de son pote? Je sais pas, il y a contact visuel? Pourquoi tu raides plus? C'est bon mec, je l'ai capturé, on a 29 points. Oh mais... je craque. Ah non, mais je me suis imaginé une scène, vu ça! Non, mais ça va pas la tête! Oh, je me suis imaginé un truc chelou de ouf! Mais tu es totalement zinz! T'es totalement crazy, mec! Oh, oh putain, mais quel enfer! Mais t'es complètement con! Wouh! Ah, ça fait du bien de rire! Hein. Tant que tu dis no homo, mais... c'est bon! Bon, ça va, genre! Mais no homo! Attends, mais s'il y a contact visuel, mais tu dis no homo! Bah. En vrai, c'est chaud! Je crois que ça conflicte, non? Je pense qu'en vrai c'est chaud. Je pense que moins par plus ça fait moins. Moins par plus ça fait moins, c'est bien vrai ça. 29 points. Ah oui.
Oh, on a des points, c'est vrai, j'ai oublié ça. En vrai. Frère, en une en heure vrai, et demie, on a gagné 4 points. On peut les rattraper. Mais rattraper qui? Bah. Ah, mais on joue avec d'autres gens. Oh. Tant que les boules se non, touchent pas, c'est. Même si eux, okay. ils étaient encore en live. T'imagines? T'imagines, ils sont plus en live à 2h30, ils sont tous partis. Oh, ça serait incroyable. Genre, t'as les mecs. Et après, t'as les mecs, mais pourquoi vous êtes encore là, bah, chasser des chahuts? Mais comment ça? Bah, c'était 2h30 la run. Mais. Ah bon? Bah, arrêtez de me dire changer de zone, ça a aucun sens. Oh là là. Ok, non, je veux une dissertation sur pourquoi est-ce que vous voulez qu'il change de zone. Bah, parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de Pokémon déjà capturés. Ok, mais est-ce que ça m'intéresse? Toujours aussi incisif. J'aime bien ce mot, incisif. Tu sais, c'est la catégorie de quel Pokémon? Incisage? Même plus envie de te parler. J'étais bien baisé là. J'étais parce qu'en plus bien... c'était Tranchaudon. J'étais bien baisé. C'était Tranchaudon. J'espère que Jirachi. Oh super. Ah bah super. Génial, franchement trop bien. C'est toi ou pas Mathieu? De quoi? Qui lui a demandé? Alors absolument pas. Ok qui bah vraiment personne. Dans le chat qui mais... Non bah c'est trop tard là. Parce que vraiment. Dissertation. Ah oui. J'ose plus la grand shiny. Oh, c'est bien. Oh, pas... C'est pas moi non plus, hein. Vous ask, c'est la meilleure blague. Pourquoi tu parles plus, mec? Bah, je sais pas, j'attends mes crêpes là. Ah, ok. Ouais, t'as vu, Thomas, y'a des tauros dans cette zone. On en a vu deux ou trois, pas plus, depuis une heure et demie. C'est incroyable. Tu as déjà fait la blague sur le tauren ou pas? Oh, boule de neige shiny. C'est incroyable par contre. Tu peux la refaire à chaque fois celle-là parce que vraiment ça m'intrigue là. Non, vraiment je suis un peu... On comprend plus rien là. Ah c'est pas mal. Tiens c'est ouf ce qui vient de se passer. Tu as capturé. Bah en fait il fait racine. Oh là là il va être trop chiant. Attends j'ai hypnose. Ah bah j'ai réussi. Comparé à certains. Non mais par contre c'est trop cringe là. Est-ce que je peux capturer ce Pokémon de merde? Non. Tape-le. Mais il fait racine, je mettrai jamais assez de dégâts, il va se régénérer, ça sert à rien. Oh, il m'endort. J'ai mal au bras. J'ai mal au bras, j'ai mal aux couilles, j'ai mal partout, ça me fait chier, putain de merde, pourquoi ce boule de neige va pas s'attraper. Boring, j'ai le PP West avant. Mais c'est ça qui commence à m'inquiéter. Mais je peux pas l'affaiblir, il a racine et vu qu'il m'endort en fait, le fait de prendre des dégâts, ça sert à rien. Je vais retourner dormir moi. T'as bien raison. Hein. Je trouvais plus de shiny en dormant. Je crois que je vais pas l'avoir en plus. Hein. En vrai, déjà vu. Je crois qu'on est les seuls à avoir loupé un shiny depuis le début. Stade vérifié. Ça vous va vos dégâts là? Oh là là, comment c'est long. Vous voulez plus de dégâts ou... En fait, c'est surtout qu'il va m'endormir. Regarde, 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 ça sert à rien. Regarde, ça sert à rien. De le mais taper. Écoute pas le chat, écoute pas le chat. Pourquoi j'écoute le chat Twitch. Ça sert à rien d'écouter un chat Twitch. 100% des gens qui ont écouté un chat Twitch sont morts. J'ai joué à Pokémon, vous étiez même pas nés, putain! C'est pas faux ça. Attends, j'ai un plan en vrai. Peut-être que choc mental ça fait assez de dégâts.
Ok. Tu sais que je peux dire ça en 2004. Un mec qui est né en 2004, je peux lui dire j'ai joué à Pokémon avant que tu sois né. Oh. Bon, je l'ai eu. Ma vie prend un tout autre sens. On a 32. Donc, toi, t'avais raison, fallait le taper. Mec, on a 32 points, je pense que c'est faisable. Problème, c'est que boule de nœud ayant une défense P de merde et notre coco ayant une bonne attaque P, j'avais trop peur que choc mental tue. Mais bon, vu à quel moment où j'en étais, j'ai préféré jouer safe. Mais en effet. Non mais, c'est marrant de me dire ça maintenant. C'est vrai que dans le chat, vous aviez tous le damage calculateur dans la tête pour savoir combien choc mental faisait à boule de nœud. Putain. Alors que les seules attaques safe étaient écrasement et pilonnage, sauf qu'avec racine, c'était pas rentable. Surtout que choc mental, ça pouvait le confus. Non mais choc mental, surtout que c'est SP sous notre coco, boule de nœud. Enfin, il y avait un monde où vraiment ça pouvait tuer. Hein. Et surtout, ça pouvait le confus. Va acheter des balls. C'est bien vrai, ça. Premier message utile en 2h45. Ça m'étonnerait que tu joues à Pokémon avant que je sois né. C'est vrai ? T'as quel âge ? C'est possible, hein, je suis pas si vieux que ça. J'ai 40 ans. Putain, mais moi là-bas je faisais des mots croisés, pourquoi je suis en train de chasser? Par contre, le problème c'est que j'avoue, je vais avoir que des Pokéballs pour Latias. Enfer. C'est pas grave, mec. Au point où on en est, de toute façon, ça se termine dans un quart d'heure. De toute façon, tu l'auras pas. Oh, venez, on fait un truc. J'ai un quart d'heure. Ah, nique sa mère. Quoi? Objectif, allez, le plus impossible dans le jeu. Non, 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 chasse, je t'en supplie. Ok, je chasse. C'est bon, tu m'as convaincu. Mais par contre, en vrai, je change de zone. Oui, non, mais là, je. Oh, y'a oh dans cette zone, vas-y, je chasse. Oh. Allez. Oh non, y'a des magnétiques, magné-piège. Oh putain. Moi, je chasse pas dans cette zone. J'ai 32 ans. Allez, bien joué. T'es plus vieux que moi. 32 comme le nombre de points qu'on a. Je sais, je fais la Pokéball, mais. Il est retourné à Doublonville pour acheter les hyper, c'était un peu loin. Mais les gars, on y croit, il va l'avoir. Attends, les runes alpha, c'est vrai qu'attends, il peut avoir des Pokémon sympas ici. Cornèbre, vraiment à chier. Ortide, vraiment naze. Feu forêt, fuis sa mère. Oui. Tortipousse, ouais, mais il y a vraiment des Pokémon catastrophiques ici. 23h05, mais j'ai loupé plus belle la vie là. Plus belle la vie, tu regardes? Non. T'as vu quand Kimberly l'a... Ah ouais, ok, d'accord. Je t'ai déjà raconté l'histoire du Tauren ou pas? Oh, attends! Rencontre! Shiny! Et j'ai menti. C'est un mec, ouais. Il arrive hors Grimar, okay. Il va dans l'auberge pour demander une pierre de foyer, tu vois, normal. Puis là, il voit un Tauren et il schlaque le Tauren! J'ai... Et au final, la blague, c'est quoi, en fait? Tu vois les blagues de Jean-Marie Bigard quand il dit « schlack » Ouais. Bah, imagine ça sur un Tauren. Je préfère Diamond quand il est aigri. Mais attends, mais j'ai rien compris, frère. Je sais pas. Tu sais ce que c'est, un Tauren? Oui. Tu vois Jean-Marie Bigard qui sait? Oui. Quand il dit « schlack », c'est quoi l'action qui mime? La baise! Bah voilà! Bah c'est un mec qui va dans une auberge et puis il baise en Tauren. C'est pas une blague! Jean-Marie Bigard, c'est quoi alors qu'il fait? C'est des faits? C'est quoi? C'est une histoire? C'est une vraie histoire? Mais c'est quoi la blague de Jean-Marie Bigard de base? Je sais pas, tout revient au sexe avec Jean-Marie Bigard. Hein. Ça, bon. Je suis fatigué, Diamond. Je regarde pas ses... Tu m'as fatigué, Diamond, raconte une autre blague, s'il te plaît. Je vais voir ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on appelle un chien qui fait de la magie? Un chien qui fait de la magie? Ouais. J'ai pas. L'abracadabrador.
Ouais, un magicien, j'aurais kiffé, j'avoue. J'avoue, pourquoi t'as pas dit un magicien? C'est archi drôle, un magicien. Trop nul. Bref. La bracadabra. C'est hyper long en plus. C'est si long. C'est tellement la base où tu peux t'embrouiller, mais à 100%. C'est tellement pas rentable comme blague. Oh là 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 là. Ça me dégoûte. Sondage, faut-il que Diamond arrête les blagues? Je sais pas. Hein. Bon, moi je pars en dépression bientôt. Hey, dans 10 minutes, je vais manger mes crêpes. Oh là là, j'ai si hâte. Comme ça, on va repasser un examen. Ouais. Diamond, pourquoi tu parles plus? Diamond, n'écoute pas le chat, Diamond. T'es quelqu'un de bien. T'es quelqu'un avec qui on aime discuter. Diamond, bébou. Réponds, s'il te plaît. Allez, là. Oh, fils de pute, tu réponds, là? Bon. Une réaction de la part du joueur. Mais il s'est barré, cet enculé, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Diamond! Laisse pas tout seul. J'ai pas d'amis. Diamond. Assieds-toi, Diamond. T'es où? Bébou. Allô? Frère, ton micro est tellement naze, j'entends ta chaise. Ah! Ah! Genre voilà! Je me suis posé dans mon lit. T'as bien raison. Oh, Lucario! Je veux Lucario Shiny. Oh, c'est 4 heures. C'est trop bien cette zone. Oh, Carapuce. C'est quoi le nom anglais de Minisange? Minisange? Son nom en anglais? Ouais. Ah, c'est pas Rookidi? Rocky Disnut. Putain, je connais le nom en anglais de ce truc. Alors, je crois que je le connais à cause de Run and Bun. Ouais, je pense aussi, oui. Jour 37. Je pars en dépression avec mon acolyte Diamond Stufu. Nous ne rencontrons plus de Shiny et nous sommes au bord du suicide. La prochaine étape, l'inhalation de drogue dure pour assouvir notre substance et ainsi mettre fin à nos jours de la manière la plus simple possible. Diamond a déjà commencé. Sniffer 3 rails de coke avec des gnocchis a été ma plus grande décision. Je m'en vais au pays des rêves. Il reste 8 minutes dans cette race. Au revoir. T'es con. Pour assouvir notre substance. Je sais pas, j'ai des mots aléatoires, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais qu'on peut encore gagner? Alors là, tu fermes ta gueule. Parce que j'en ai écouté des conneries. Mais alors celle-là, elle est bien grande. Aussi grande que ma tension. Bah ça va alors. Oui, ça passe. 9,5, je rappelle. Qui soi-disant c'est pas assez, hein? Bah écoutez, hein, dans l'avion on n'est pas tous. T'imagines le nombre d'épisodes de One Piece que j'aurais pu regarder en 3 heures? Bah ma manette elle a bug. De bug. Elle voulait même plus marcher. Bah, je crois que même la manette elle a give up, c'est bon, c'est terrifiant. Non mais t'imagines le nombre de donjons dans Zelda que j'aurais pu faire en 3 heures? En plus, je viens d'entamer Wano en animé. Ah ouais? Ouais. Oh bah bonne chance, hein. Bah ça va, je l'ai fait en manga, ça peut pas être pire. Je te jure, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire qu'en manga, t'as dit là? Ouais. Dites-lui rien, le chat. Hein. Mais ma caméra, va, elle devient floue. Je suis au 893. Il y a 1040 épisodes et ils sont à la fin. Donc en vrai... Pourquoi ma caméra, ça y est, elle a give up mental aussi, là? Moi, ton allié aussi. Hein. Putain, mais je suis flou! Allô, je suis flou! Putain, mais ça m'énerve! Est-ce que je peux refaire la blague sur le mec pas net? Non, c'est bon, je suis net.
Tu sais que cette blague, elle vient de... Tu sais de qui je la connais ou pas, cette blague? Du gars qui a fait le feu chez lui, là? De Zulu, mec. Mais putain, mais pourquoi il fait des autofocus bizarres, là? Elle casse les couilles. Pourquoi de Zulu? Brahim, je vois pas ton message de là où c'est. Parce qu'en gros, il y avait un best-of Eclipsia à l'époque, et il y avait, c'était, je crois, Ashley qui... Et Max Hildan, et genre il y a Max Hildan qui fait t'es flou comme meuf, et il y a Zulu, il arrive et fait ah, je savais bien que c'était une meuf pas nette. Et voilà. Moi bon, il reste plus que 5 minutes, voilà. Viens, on le fait dans le silence le plus gênant total. De toute façon, t'as déjà commencé. Et gros, vraiment, il reste 5 minutes, j'ai juste envie, c'est de pisser, manger des crêpes. Et vraiment, je pense que j'aurais tilt mentalement si j'avais pas eu mes gnocchis et mon poulet, là. Je le dis. Tu vas commencer par quoi? De quoi? Bah, pisser ou manger tes crêpes? Ah, parce qu'il faut commencer par quelque chose? Tu peux faire les deux en même temps. Eh, vous avez déjà essayé de boire et de pisser en même temps? Ça fait un cercle infini. Moi, perso, j'ai mangé et pissé. Ouais, moi aussi. C'est bien relevé, j'adore. Non, mais en même temps. Non mais en vrai quand vous buvez de l'eau et que vous pissez en même temps, normalement ça ne s'arrête plus. Genre c'est un cycle infini. Après faut avoir une grande bouteille d'eau quoi. Sinon Je vais rien dire parce que sinon... Ouais, t'allais dire quoi? C'est vraiment la fatigue qui va parler. Hein. Je vais juste rien dire. Ok bah dis rien, ferme ta gueule. Je vais continuer de faire mes rencontres tranquilles. Je sais même pas pourquoi je chasse ici, c'est la pire zone! Il reste zone 4 minutes de souffrance, de supplice et d'abandon. Ah on va gagner, hein. La mort. Ouais. Pense aux crêpes, c'est vrai. Alors, mais chat, ça dit quoi à cette info sur le pipi? Est-ce que Brahim il peut écrire le message qu'il a écrit dans mon chat sur le tien? Et comme ça tu le lis et comme ça moi je peux l'entendre du coup. Vas-y. Sympa. Faut avoir des reins puissants pour pouvoir faire un cycle. C'est vrai. C'est peut-être ça finalement qui pose problème. Venez, ouais, viens on fait un match Pokémon gros. Mec je lance pas Switch, viens on fait genre du Unite. Attends Pokématos, attends vas-y viens j'appelle ma mère dans Pokématos. Attends j'appelle ta mère. Super. Ouais, ça va, la mienne elle a pris cher pendant le bingo. C'est vrai ça. Elle sort quand la vidéo? Bah, j'espère ce week-end, mais je sais pas. Brahim il a renvoyé le message ou pas? Ouais, non. Bah, on fait ça. 3 heures! Ça fait 3 heures en chasse dessus. Je pense que la prochaine fois que je vais me dire 3 heures. Je suis surtout là, j'ai faim là. Hein. Bah, moi, ça en va, j'ai mangé. En vrai, j'ai envie de crêpes. Le problème, c'est qu'au bout d'une heure 30, c'était marrant parce qu'on trouvait des shiny. Non, et puis même, à 2 heures, on avait gagné. Et là, comme par hasard, en 1 heure, on s'est fait soulever. Bizarre, bizarre. Oui, c'est surtout qu'on n'a rien fait pendant 1 heure et demie, en fait. Ouais, on n'a rien fait pendant 1 heure et demie, ça qui est trop chiant. C'est dommage. Mais c'est ça le problème des Shiny Rays, tu vois. C'est marrant. Mais. En vrai, c'est pour ça qu'en vrai. En vrai non, c'est aussi pour ça qu'il faut beaucoup de temps, parce que. Y a des risques, des fois, les mecs, il se passe rien, en vrai. Là, au moins, nous, pendant 1 heure et demie, c'est passé plein de trucs, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'on sera au début de la vidéo, quoi. Ouf. Non mais dans le montage tu vois. J'espère que le monteur il s'amuse à nous regarder hein. Là il voit un mec qui est vraiment allongé à 10 mètres de sa caméra sur son lit. Bonne chance monteur. J'ai lâché frérot. J'espère que Josplay il paye bien hein. J'ai fait un clin d'œil. Moi j'ai fait un clin d'œil mais je suis trop loin. Nous on a regardé deux gars ne rien trouver pendant une heure. Ouais, vous avez discuté avec nous. En vrai, il y a eu une bête d'ambiance ouais, tu vois là vous avez. Franchement les discussions. Les gars les meufs au gros cul. Mais toi, tu retiens que ça, t'as des problèmes psychologiques en bah, fait. En même temps, ils ont toi, dit tu que es ça. Un pervers sexuel, Diamond, c'est ça ton problème, oui. Ok, mec? Certes. Ok, mec, tu préfères les culs ou les seins? Franchement, les seins. Ah ouais? Oui. Ok. Et okay. Je pense qu'on dit vague. Vague? Ouais. Ça que j'aime bien aussi. Je pense qu'on peut encore gagner, hein.
Il reste littéralement 40 secondes, frère. Il reste 40 secondes, je suis trop heureux en fait. Wow. C'est génial. Attends, mais je suis trop content, premier degré. Oh là là, j'en veux plus. Oh là là, libérez-moi. Putain, il reste 30 secondes. Ah, il reste 20 secondes. Waouh. Elle passe vite tes secondes. Ouais, c'est, j'avoue. Oui, selon Prison School, c'est le cul. Parce que, en fait, à l'âge de Pierre, les hommes, ils regardaient toujours en face d'eux. Et vu que tout le monde était à quatre pattes, la seule chose qu'ils pouvaient voir, c'était les culs. Et les seins ne sont qu'un substitut. Voilà. Et c'est la fin, on a perdu. Putain, mec, on a perdu. Oh, trop dommage. Bon, bah, vas-y, on va dans live. Hein. Oh là là, J-Pep. J-Pep. Let's go. En vrai, je suis trop content de cette Shiny Race parce que vraiment, la première heure et demie était trop stylée. Et après, je suis parti en dépression. Puis après, on n'a rien trouvé. Et bah, nous, on a rien lâché. Une heure et demie de dépression. Non, par contre, c'est un truc de ouf parce que vous avez gagné tellement de points en une heure et demie. En vrai, c'est un truc de zinzin. Bah, dis-toi qu'en fait, à la base, j'avais rush le jeu. Et j'ai appuyé sur la mauvaise touche et j'avais pas sauvegardé depuis le début du jeu, donc en fait j'ai reset tout le jeu, on a tout repris. Oh ouais. J'avais perdu vraiment. J'avais un mec en PNJ, frère. Play, il était au bout de sa vie, on était à 1h20. Il me dit Shiny, je t'en supplie, trouve un Shiny. Requiem, je le capture pas, il voulait me tuer, frère. Il a trouvé un Shiny. En vrai, ils ont pas passé un bon moment, mais bon. Attends, mais du coup, oui, les autres ils ont fait quoi en fait? Attendez, c'est quoi le récap? Mec, on est déprimés de la vie. Hein. Ça fait exactement 1h30 qu'on n'a pas vu un seul Shiny. Hein. C'est bah, moi, je pense que sur 250, on a au moins fait 2000 rencontres. Et toi, Julien, ça a trouvé? Moi, ça se passe. En fait, ça s'est plutôt bien passé. Skillix m'a vraiment PL, à ma surprise. Vraiment, ouais, on a 26 points. On a 26 points, je dois en avoir. Du coup, au récap des points, on est comment là? Jospet, t'as combien? On a 27, nous. Pardon. Nous, on a 52. Ouh, quoi? Non mais 52 points, oui, tu ne rêves pas. Non mais 52. En fait, ah, ouais. Le vieux dans la tour Tiflor, il avait Giratina, mec, je devais avoir au moins 20 levels de plus pour pouvoir le passer, genre. Et on a 52, heure, mais j'ai raté un Jirachi qui a fait lutte. J'ai raté un Ré. Ouais, Diamond, il a raté un Darkrai. J'ai raté un Levenard, c'est bon, c'est pas une compétition, tu sais. Darkrai. Oh là là, je vous ai entendu, les gars. Parce que du coup, alors, Jospechini, vous avez 52, Julien, vous avez 26. 27. Et Kayan, vous avez combien? Franchement, il n'y a même pas besoin de le. Ouais. Allez, dis-le, c'est bon! Mec, on a 14. Wouah! Ah ouais, wow, ça va, on a fini deuxième! C'était au début de la run, ça! En vrai, ça va, on a fini deuxième, Diamond, on a 32 points. Ouais, ça va. Ouais. Moi, j'ai une théorie qui dit que Jospé et Shiny avaient des ROM modifiés. Voilà, voilà. Alors, attends. Il est allé voir Diamond pour lui dire est-ce que les ROM sont bien modifs, quand même. Vraiment, on était tellement désespérés, on l'a move et on lui a demandé s'il avait pas fait un truc à notre ROM. Tellement désespéré. En mode. Mais au début, on était vraiment. Au début, on était en dessous de vous, je crois. On était en dessous de Shiny. Non, vraiment pas. T'as jamais tant de. C'est impossible. Mec, mon Shiny, je l'ai eu au bout de 40 minutes, je crois. Oh les gars, il y a trop de Shiny, on est désespérés. Et Shiny, il a la meuf pendant 1h30. Enfin, désolé. Quand Volt avait 25, Volt et son équipe avaient 25, nous on avait 12. Ouais. On a eu 25 au bout d'une heure de run. Ouais, j'ai fait, en vrai de vrai, on peut taper les 60. Et depuis, on n'a pas eu un seul point pendant deux heures. En vrai, ce qui serait intéressant, c'est de faire des graphes du nombre de points en termes de. Genre en fonction du temps. Oh, ouais. C'est incroyable en vrai. Ça serait trop stylé. Ouais, genre au moins toutes les 30 minutes, tu vois, je fais des régaps. Ouais. Le nombre de. Et bah, le monteur, je te donne du travail. Le monteur, il va tellement péter un câble. De voir l'évolution, genre. Ah ouais, nous, on a tout mis à la fin. Genre comme sur Mario Party. Insane avec Shiny. Non, mais tu sais que Jospley, tu rends-toi compte. Les 55 premières minutes, j'étais encore sur le Eto Raptor du starter. C'est... Non, vraiment. En vrai, au début, avec Jirachi, genre à 40 minutes, je reset Jirachi. J'ai pété un pont. Bah, moi, j'étais encore sur Eto Raptor, t'inquiète pas, on était deux. Ah ouais, non, vraiment, j'ai. Vous, les gars, on avait tellement rien à faire qu'on s'est mis à faire des squats les 15 dernières minutes. On a eu le temps de faire une game de showdown. Après, j'avoue, j'ai peut-être un peu grid parce que quand on a eu 25 points au bout d'une heure, je suis parti me faire à manger. Donc peut-être que le karma m'a rattrapé. Mais... Gros shot, jamais... what's safe, hein. Pour vraiment pas le pire, c'est que j'ai eu un Jirachi, j'ai eu un Jirachi, le on l'a raté.
Franchement, ils font les mecs dépressifs, ils font les mecs dépressifs, mais ils disent pas qu'ils ont joué à Showdown au lieu de Cook. Vraiment. Quoi ? Non, 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 j'aimerais quand même annoncer que je l'ai absolument oblitéré. Ouais, mais du coup, vous avez pas Cook des Shining. Tu sais que c'est long, mais c'est vraiment un truc de fou que, comme quoi, 2 minutes, ça peut complètement tout retourner. Ouais, gros, alors, en 2 minutes, j'ai eu double Shiny en 2 minutes. J'ai fait un cosplay aussi, pareil, en 3 minutes, 4 minutes, à un moment donné, il a eu double Shiny. Oui. Attends, et Diamond, il a rencontré un Shiny juste après notre Shiny. Incroyable. Shiny en même temps, je crois. Ouais. C'est, j'ai entendu lui parler du back-to-back. Ouais, je fais Dratax et Zayox. Incroyable. Genre, ça, genre deux Shiny d'affilée, quoi. La proba, elle est assez insane quand même de ouais, ça. Ouais, c'est Zayox, c'est le youtubeur. Ouais, elle est assez insane. D'ailleurs, anecdote, j'ai une anecdote ou pas de proba. Moi, j'ai une anecdote, j'ai chopé le Pokérus. Voilà. Quoi? Ah, attends, j'ai pas regardé. Ah, mais j'ai reset moi donc. Sérieux? Moi, j'ai chopé le Pokérus. Wow. Une chance sur 23 000, je crois. Une chance sur 65 000, je crois. Non, 23 000, je crois, non? Ah non, c'est 3 chances sur 65 000, je crois. Ah, donc c'est ouais, une chance sur 20 000, ouais, une chance sur 20 000. Ouais. Moi, j'ai chopé le Pokérus d'ailleurs. J'ai vraiment eu de la chance ce soir. Bien joué, bien joué, comment, bien joué. Comment on fait pour voir un... Bah en gros tu regardes tes Pokémon c'est et il y a marqué genre... Ouais. C'est genre une chance sur 20 000 vraiment, littéralement. C'est en gros quand tu tapes des Pokémon random sauvages, il y en a un qui peut l'avoir et du coup ça se transmet genre. Ouais. Mais c'est vraiment rare pour le coup. Ouais. J'espère t'as eu combien de Shiny au total? Énormément. Ah, je viens de compter. En vrai ouais, c'est fou parce que à partir j'en ai eu 10. J'en ai plus que 10 hein. Ah peut-être pas en vrai parce que j'ai mieux qui rapporte beaucoup de points à lui seul. J'ai eu Rapace de Pique, Coatox, Magneton, Volcaropod. 6. Ouais, j'en ai eu pas mal aussi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 1, 13. J'ai eu 13 Shiny. Ok, 10 Shiny. Ouais, j'en ai eu à peu près 8, je crois, à peu près. 10 Shiny. Ouais, 8 aussi. Et mais moi, j'en ai eu que 3, genre. Ah ouais, what the fuck. J'en ai eu un par heure. Bah ouais. Attends, mais même ceux que t'as raté. Ou alors... J'en ai raté que 2. Ouais, j'en ai eu 5 en fait qui ont popé genre. J'ai raté aucun les gars. Ah c'est terrifiant les stats. Ah par contre j'ai eu un triplé de Watt, ça m'a cassé 9-9. Parce que j'avais Togepi. Mais en fait moi j'ai comme un con je commençais à Cook aussi pour aller jusqu'aux électrodes sauf que je me suis dit bah eux non plus ils sont pas modifiés du coup. Ça, là par contre je suis désolé mais je ne vois pas comment est-ce que j'ai pu miss parce que le truc, parce en fait. Que en vrai je trouvais ça dommage parce que du coup ça vraiment les chances de remontada et tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord que j'étais dégoûté perso quand ça le faire qu'une fois j'ai c'est lui là, j'étais à deux doigts de pleurer, on avait 12 points. Non franchement c'était trop dur le début, c'était vraiment trop dur. C'était sympa. 3 heures putain ça. C'était la dernière heure, elle m'a un peu déprimé parce que je ne pouvais plus rien. Elle m'a rendu très heureux. Ah, bizarre. Après, personnellement, si ça avait pas Cook, peut-être les 5 minutes, t'aurais eu un triple Shiny. Que bon, fallait peut-être pas faire à manger. Hein. Ouais, c'est possible, mais. Non, mais il est malveillant, Shiny. Après, dans un sens, est-ce que le fait de manger m'a pas permis peut-être d'avoir plus de Shiny aussi? J'étais plus en forme, tu vois. C'est peut-être aussi ça qui a fait que. C'est. L'un dans l'autre, finalement, on s'y retrouve, tu sais. Bon, en tout cas, merci les mecs. Vas-y, bah, pas de soucis, les gars, c'était grave cool. Moi, je vais y aller, Abonnez-vous. Vas-y. Abonnez-vous, YouTube. Ouais, abonnez-vous. Prime, tout ça. Abonnez-vous à toutes les chaînes là qui sont sur l'écran maintenant. Ouais. Abonnez-vous. Ah ouais, il y a encore le monteur, il va péter. Ouais, ouais, le monteur va chauffer. Non, en vrai, il a juste mis il a dit ça mais il va juste mettre Jospé et Jospé Senpai genre. Il est chaud. J'espère que le monteur va cooker après c'est son dos. Il va mettre 8 fois Jospé. C'est vrai que c'est son métier. Son métier hein. Bon, on le paye. Bah merci les gars, c'était grave cool. Passez une bonne soirée et bye tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Bye bye. Bon les gars, bah j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Avec Diamond, c'était grave drôle. Très sympa, on a bien rigolé. Je vous donne rendez-vous demain. Normalement, demain, je crois... Alors moi, je vais pas mal faire de petits tournages avec Sisa. Je crois que je live pas sur ma chaîne. Alors oui, c'est bizarre à dire comme ça. Mais je crois que demain, je live avec Zulu sur du Master Duel. Et je crois qu'il va falloir que j'affronte Farfa et d'autres personnes sur Master Duel. Bah on m'a dit ça. Donc voilà. Bref, passez une bonne soirée. Merci à tous, portez-vous bien et des bisous, je vous kiffe. Allez, ciao.